I am just an icon living. I am just an icon living. Hello les icons, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Decluttering with me. Donc en gros ça veut dire tri avec moi. En gros je vais trier tout mon maquillage, je vais faire une pile pour jeter, une pile à donner et une pile à garder. Donc en fait voilà avec quoi je suis aujourd'hui. Mais la première tour ici vient de chez Ikea, je pense que tout le monde la connaît. Elle est vraiment pas mal du tout, c'est là où je mets tout mon maquillage pour le visage. Toute cette tour là c'est tout ce qui est pour les yeux. Donc voilà, au milieu c'est tout ce qui est soin pour la peau, soin pour les cheveux, etc. Donc si vous voulez une vidéo comme ça, dites-le moi. Donc je vais commencer tout de suite avec tout ce qui est au-dessus. Donc comme vous pouvez le voir, au-dessus j'ai tout ce qui est baume à lèvres, scrub, etc. Au-dessus, pour un petit info, c'est mes lunettes de soleil que je mets pas souvent. L'autre partie est de ma chambre. Je les avais achetées chez Primark il y a plus ou moins 6 mois je pense. Il m'avait coûté... Ça c'était 7€. Ça c'était genre 4€. Puis j'avais aussi acheté ça. Et celui-là je pense que je l'avais acheté chez Maison du Monde, donc voilà. Je sais pas si c'est encore disponible, mais je sais que pour l'instant, si vous êtes en Belgique, il y en a au Zeeman. On va commencer par la partie du dessus. Vous vous mettez par terre avec moi, comme ça on peut trier d'abord tout ce qui est au-dessus. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout vider ici et voir ce que je garde ou pas. Tout ça, c'est des rouges à lèvres. Enfin, pas une partie de mes rouges à lèvres que je mets pas tous les jours. Des gloss, des rouges à lèvres liquide mat, des baumes à lèvres. Et alors je vais faire une pile que je jette, une pile que je donne et une pile que je garde. J'ai mis chaque petit tiroir de mon truc pour mettre un peu ce que je garde déjà. Donc j'ai mis celui-là. Alors ici j'ai quoi? Le Huda Beauty liquide mat en Trendsender. Et celui-là je le garde parce que je trouve juste magnifique et je l'aime beaucoup. J'ai un baume à lèvres, un de mes plus beaux baume à lèvres slash gloss que j'ai. C'est le Clarins Eclaminite Embellisseur de lèvres. En fait ça va prendre le pigment de ta lèvre et le rendre plus joli. Franchement celui-là je te le conseille si tu veux avoir quelque chose de naturel sur les lèvres. Moi je l'adore vraiment fort. Donc je le garde. Ensuite ici j'ai un baume à lèvres comme une colle de chez H&M. J'adore ce baume à lèvres. Ils sont juste trop bons. C'est la raison pour laquelle je vais le garder. Ensuite j'ai un NYX lingerie en couleur Teddy. C'est parce que c'est un des brins que j'aime beaucoup porter en fait. Un deuxième NYX Liquid Suede en teinte Doux Murmure. Celui-là je le trouve vraiment magnifique. J'adore, je le porte très souvent. Donc on le garde. Si j'ai trois rouges à lèvres en fait. Franchement le packaging il est dégueulasse. Enfin il est un peu... Si c'est Kim K qui l'avait fait ça aurait été beau tu vois, mais là c'est H&M. Ici nous avons le Primark Eyeshine Lipstick Crayon. Et en fait ça j'aime beaucoup. Parce que c'est hyper crémeux et c'est une belle couleur donc je le garde. Bon je vais pas tout vous filmer, enfin pas tout vous enregistrer, je vais mettre en rapide parce que sinon on est encore là demain. Donc ici nous avons le NYX Cosmic Metals en vitesse de la lumière. Alors j'adore parce que c'est un métallique mais magnifique genre. Alors on va prendre les Kylie pour voir si on les garde tous, bien que je pense que avec le prix que ça coûte, enfin c'est pas si cher que ça je veux dire, mais je les aime tellement que je pense pas que voilà. Donc ici j'ai le Kylie Coco K, je l'adore franchement, je le garde. Ensuite le Kylie Spice, c'est une couleur que j'aime beaucoup mettre en hiver. Donc je les trouve vraiment magnifiques, je les garde bien sûr. J'ai un gloss que je kiffe, le plus beau gloss que j'ai reçu de toute ma vie. C'est un de chez Glossier, c'est le lip gloss et le clear lip gloss. Il est magnifique, l'emballage est trop sleeky, j'aime trop. J'ai trois MAC que j'ai acheté, c'est la sélection de Noël. Et je les trouve très jolies, donc je les garde aussi. Après deux derniers produits ici, j'ai un Clarins Eclaminite Lèvres Confort. C'est vraiment la meilleure huile pour les lèvres que j'ai testé. J'adore le gros embout et tout, il est trop magnifique, donc je garde bien sûr. Et ici nous avons le Fenty Beauty Fenty Glow, donc le gloss en mini size, et je l'aime trop donc bien sûr que je le garde. Maintenant je vais mettre en vitesse accélérée parce que sinon on est encore là demain comme je l'ai dit. Donc ça en fait ce que j'ai jeté c'est pas beaucoup mais c'est déjà quelque chose, c'est des choses que voilà, soit c'est trop vieux, soit c'est en mauvais état, soit c'est vraiment pas de la bonne qualité. Et je donne que 3 trucs ici donc voilà c'est pas énorme. Donc ici j'ai tous mes primers, mes fixateurs, mes primers pour les yeux, pour les lèvres, accessoires miroir et puis après tout ce qui est pour mixer etc. Je l'ai lavé, je l'ai essayé aujourd'hui. On va commencer tout de suite. J'ai un primer Giorgio Armani qui est bientôt vide. Base lissante perfection, c'est un de mes primers préférés, donc bien sûr que je le garde.
Ensuite ici j'ai une chose que qui ressemble très fort en fait au Giorgio Armani, mais qui est tellement moins cher, je crois que c'était 8 €. Donc si vous voulez un peu un truc qui va lisser vos pores et vous donner une peau de bébé, ben voilà, comme ceci. Et il est très 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 bien, ça je garde. Ensuite ici nous avons une base de maquillage Flormar qui a à une amie que je dois rendre depuis. Un autre de chez Primark que j'aime beaucoup, c'est le Highlight Illuminating Primer, donc primer illuminant de chez Primark Pro, et il est vraiment illuminant. Donc je vais vous montrer, je sais pas si vous pouvez voir le glow, je sais pas s'il est encore disponible, mais très très bien. Donc voilà, en général soit quand j'aime pas un produit je le sors direct de mon truc, donc je sais pas s'il y en aura vraiment. Ici c'est le Essence Glow To Go, je sais pas si vous avez vu mon vlog, j'en ai parlé, j'aime beaucoup ce spray là, mais alors je le mets sur ma beauty blender et j'applique sur mon visage, pas directement sur mon visage parce que le spray en fait n'est pas bien fait et il donne plein de gouttes, et comme c'est un spray illuminant, et ben t'as plein de gouttes illuminant sur la tête au lieu d'avoir un truc plutôt net, donc voilà. Mais je l'aime beaucoup. Un primer de chez Smashbox, Photo Finish Foundation Primer. Alors je vais pas vous mentir que j'utilise pas tous les jours, mais il est vraiment bien parce qu'il a une couleur comment dire, il est vraiment, je le mets plutôt en été parce qu'il va vraiment apporter de la radiance, du glow à votre peau et donner une teinte un peu plus orangère. Donc c'est vraiment, il faut bien le mettre et pas trop. Je vais vous montrer encore 2-3 primers. Ici c'est de chez Kat Von D, je l'ai bientôt fini, c'est le Lock It. Très bon primer, très, un peu une texture presque gel en fait, tellement c'est léger. J'aime beaucoup. Smashbox Photo Finish Primer Water. Ça j'utilise plus trop mais je vais quand même la garder pour la terminer comme ça m'a coûté quand même quelque chose. Mon dernier primer que j'ai acheté c'est le Origins base rafraîchissante perfectrice à l'épilobe. J'aime beaucoup, c'est sous forme de mousse et ça lisse les pores. C'est trop bizarre mais j'aime beaucoup. Je vais continuer comme ça parce que sinon j'aurai pas le temps de terminer la vidéo. Donc voilà les gars, il n'y a que ça que j'ai en fait. Ça c'est un primer pour les yeux de chez Primark que j'aime pas trop, et ça c'est un primer pour les yeux de chez Essence qui est presque vide, donc voilà, autant jeter. Tout ce qui est primer je jette pas souvent parce que j'aime tout ce que j'utilise, donc voilà. J'ai aussi oublié de vous mentionner que c'est pas pour vous montrer tout ce que j'ai, c'est juste pour vous montrer que je trie mes maquillages parce que j'adore regarder les vidéos comme ça, du coup je me suis dit pourquoi pas faire ça avec les miens. Je précise aussi que je suis occupée à tout laver, c'est pour ça que je me suis dit que c'était l'instant, le moment. Le NARS tout nouveau, donc je vais pas le jeter parce que je l'aime beaucoup, c'est un de mes fonds de teint préférés, parfait. Ça c'est le number one pour l'instant, je l'aime trop trop trop, il m'en reste quasi plus. C'est le Smashbox Studio Skin, magnifique, super pour la peau. En fait il est hydratant, il n'est pas trop visible sur la peau, il a une couvrance médium et il est vraiment pas mal du tout, donc je kiffe beaucoup. Ensuite, avant c'était celui-là mon favori, donc celui-là maintenant il vient en 3ème place. C'est la Born This Way de chez Too Faced et je l'aime toujours autant. Mais vu que j'aime beaucoup ces deux-là, ben, pour l'instant il est en 3ème place. Ensuite j'ai le Kat Von D Lock It comme le primer, sauf que celui-ci j'aime pas vraiment beaucoup, enfin j'aime pas trop son teint parce qu'en fait il n'adhère pas à ma peau, il reste en surface et ça m'énerve en fait. Ensuite ici j'ai de chez The Body Shop un créateur de teintes sur mesure, donc en fait c'est quand j'ai un fond de teint trop foncé je mets ça dedans et il est plus clair. Pour moi c'est la base, ça dans mon tiroir fond de teint, parce que même dans mes correcteurs genre c'est toute ma vie. Ici en fait c'est tous les fonds de teint que j'utilise un peu moins, donc ici nous avons le Fit Me Matte Plus Poreless de chez Maybelline. Très bon fond de teint, si t'aimes bien les fonds de teint mat, franchement pas mal du tout. Ensuite ici nous avons la BB Crème de chez Primark, My Perfect Color, je l'aime bien. Ouais elle est très épaisse, après je vois qu'elle couvre quand même pas mal, je sais pas si vous voyez. Donc je vais quand même la garder pour tester. Ici nous avons le MAC Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation, donc ça c'est un des fonds de teint les plus couvrants que j'ai testé de ma vie, donc je l'aime beaucoup, donc je le garde, mais il est très épais en fait, si je me rappelle bien il est très très épais, parce que je vais pas te mentir ça fait genre 2 mois que je l'ai plus aimé, mais je l'aime beaucoup. Nous avons le MAC Studio Face and Body Foundation, ça c'est un fond de teint que je ne conseille pas aux peaux acnéiques ou aux peaux grasses, parce que tout simplement en fait il est fait je pense pour avoir un effet très glowy, et donc je le conseille plus aux peaux sèches ou aux peaux normales en fait. Ici nous avons la BB crème de chez Kiko, donc ça je jette parce que je déteste,
Donc je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Donc déjà de base, elle n'a pas de couleur. Donc ce n'est pas une CC crème, donc je comprends pas. Et ensuite, le pigment ne vient pas se mettre en fait. Donc ça, définitivement, je ne garde pas. Ensuite ici, nous avons la Max Factor CC Color Correcting Cream. Alors ça, je kiffe. Je ne l'ai pas porté beaucoup parce que, en fait, si vous voulez, les CC crèmes, tout ça, je porte qu'en vacances. Je trouve que c'est plutôt quelque chose qui s'adapte bien à ta couleur de peau, donc je vais le garder pour mes vacances. Il me reste juste la fin, je pense que je vais le jeter parce que ça fait longtemps que je l'ai. Ça, c'est toute ma vie. Malheureusement, dès que j'aime un produit, ils ne le font plus. C'était le Dream Wonder Nude. Si quelqu'un sait me le trouver, ben, je vous offre ce que vous voulez parce que c'est toute ma vie. Et en fait, j'adorais ce fond de teint parce qu'il était comme... Je sais pas comment vous expliquer, il était très poudreux en fait. C'était un fond de teint, on dirait que c'était de la poudre que vous mettiez sur votre peau. Très naturel au toucher, mais super couvrant. Je l'ai adoré ce fond de teint. Du coup, je l'avais retrouvé, mais dans une couleur qui n'est pas du tout la mienne. Ça, c'est la teinte 10, ça, c'est la teinte 30. Je l'avais acheté pour le faire avec mon shade Adjusting Drop de chez The Body Shop. Donc oui, je l'aime beaucoup, mais il ne fait pas le même résultat que si c'était ma couleur, vu que j'ai rajouté quelque chose en plus. Donc si quelqu'un sait où je peux le trouver, dites-le moi en commentaire, parce que c'est toute ma vie. Et voilà, c'est un de mes fonds de teint préférés, Maybelline. Alors ça, je l'ai détesté, je ne l'ai même pas fini, hein, pour vous dire, vraiment pas fini. Je ne sais pas si vous pouvez voir d'ailleurs. Donc c'est un fond de teint que j'avais acheté juste avant de devenir vegan. Donc c'est... il y a un an environ. C'est un fond de teint en fait qui est censé vraiment hydrater ta peau. Donc c'est le Moisturizer SPF 15, mais il est tellement trop clair pour moi. Genre vraiment. Donc soit je le mixe, soit je sais pas ce que je vais faire avec. Ensuite ici, ça c'est mon baby, c'est un de mes nouveaux. C'est le Essence Fresh and Fit Wake Makeup. Et c'est fond de teint à côté, 4,99€. Il est vraiment comparable au NARS. Donc voilà, si vous voulez essayer, achetez-le, il est très très bien. Un fond de teint qui m'a tellement déçu, qu'il est vraiment rempli en fait, c'est le fond de teint de chez Giorgio Armani. Alors il m'a déçu pourquoi? Parce que je l'ai acheté sur un coup de tête, parce qu'il venait de sortir le jour même et que je voulais vraiment tester les fonds de teint Armani. Donc je l'ai acheté, c'est le Power Fabric. Cependant la couleur est tellement trop rosée pour moi, donc moi c'est pas du tout ma couleur en fait. Et moi je suis beaucoup plus dans les teintes un peu plus jaunâtres. Et en fait... il a coûté tellement cher. Vous voyez, c'est trop clair. On dirait que je suis morte en fait. Quand je le mets. Ben, ça me déçoit vraiment parce que j'attendais beaucoup de ce fond de teint. Je voyais toutes les youtubeuses qui en parlaient en mode ouais, c'est une nouvelle révolution en mode le NARS maintenant, mais pas du tout quoi. Donc j'aimerais bien essayer le Luminous Silk pour voir si c'est vraiment bien leur fond de teint ou pas. Ensuite ici, j'ai le fond de teint de chez Catrice. Donc, ensuite ici, nous avons le Naked Skin One and Down en teinte light. Et ici, elle est trop mienne cette baby crème, je l'aime trop trop trop. C'est de chez It Skin Baby Face, donc c'est une marque coréenne et elle est vraiment couvrante pour le coup. Je sais que pour certains ça peut paraître beaucoup, pour moi je trouve que, enfin je trouve que contrairement aux grandes youtubeuses, vous savez, Daisy Perkins, Chloé Morello et tout ça, je trouve que ça va encore, enfin je veux dire, j'ai pas énormément de fond, enfin aussi quand même, mais pas en mode des tiroirs et des tiroirs, tu vois. Voilà, donc finalement j'en jette 4, c'est déjà pas mal du tout. On va passer au tiroir anti-cerne. Pour l'instant j'ai une grande obsession avec les anti-cernes, je sais pas si vous pouvez le voir. Ça devient une de mes genre... j'adore, donc je vais pas tous vous les montrer parce que sinon on est encore là dedans. Mais je vais vous montrer pour l'instant que je kiffe vraiment beaucoup trop. Le LA Girl. Je kiffe le Smashbox Studio Skin, donc c'est la même gamme que mon fond de teint. Et je kiffe la MUA Cover and Conceal, donc Yves Saint Laurent. Ici j'ai quoi? J'ai Too Faced, Urban Decay, MAC, Maybelline, Kat Von D, Bobbi Brown. Ça je ne garde pas parce que je l'aime pas. Kat Von D, je termine. Ici j'ai 2, 3. Bon celui-là il est définitivement vide, hein, le MAC. J'en avais encore un peu dans celui-là donc je vais garder celui-là. Ça je les ai rachetés deux fois, c'est deux fois les mêmes mais je les kiffe trop aussi. Ça j'aime beaucoup la texture mais c'est pas du tout ma couleur en revanche. C'est beaucoup trop jaunâtre donc je donne. Ça c'est un correcteur vert de chez NYC. Mais bon je pense qu'il est un peu trop vieux donc je vais le jeter aussi. Tout ça c'est pour la poubelle. On passe au
tiroir des poudres. Poudres, j'ai déjà fait mon tri, donc je n'ai plus vraiment beaucoup. Celle-là, je la garde. C'est une de mes poudres préférées drugstore. C'est de chez Bourjois. C'est poudre de riz. Ça, c'est un miroir que j'ai reçu quand j'ai acheté chez Armani. J'ai acheté beaucoup de trucs de make-up, donc il m'a donné ça. Ça, c'est ma poudre MAC. J'ai gardé l'étui parce que je dois racheter une poudre pour mettre dedans. Ça, c'est ma poudre Laura Mercier, love it. Il y a pas mal de rouge à gare. Ici, c'est de chez Jeanne Redal, poudre que j'aime bien aussi. La poudre de chez L'Oréal, Accord Parfait, je garde. Primark, ça c'est la poudre de lip de chez Primark. Poudre de lip de chez Catrice. Et poudre de lip de chez MAC. Bon, bah elle est vide, je vais l'acheter. Les gars, c'est mon tiroir préféré. Donc c'est mon tiroir highlighter, blush et bronzer. Donc j'ai Fenty Beauty, MAC, Makeup Forever. C'est un bronzer que j'aime beaucoup de chez Physician Formula. Highlighter de chez Kylie, un autre highlighter de chez Kylie. J'adore cet highlighter, il vient de chez MUA. J'ai un peu de tout, j'ai du Hourglass, Makeup Forever, Yves Saint Laurent, Daniel Sandler, Lancôme, Becca. Bon, je vais trier ça. Alors ça, je garde parce que ça m'a coûté une fortune et que je l'aime trop. NYX, je disais que je l'aime pas, mais finalement je l'aime beaucoup. C'est un fard à joues, donc très bien. Produit NYX, ça donc c'est vraiment un truc sentimental, donc je suis obligée de le garder. Ensuite ici, c'est un highlighter Candlelight de chez Too Faced que j'aime beaucoup. Deux highlighters comme ça de chez Too Faced que j'aime aussi beaucoup, donc je garde. Ça, je l'ai acheté, mais c'est pas ma couleur, donc c'est normal, vous inquiétez pas. Mais c'est quand je vais commencer à maquiller les gens avec des couleurs un peu plus foncées, je me suis dit pourquoi pas prendre ça. Je pense que je vais jeter parce que c'est quelque chose que j'ai acheté qui n'a strict... En fait comme ça, ça a du pigment à la caméra, mais quand je l'estompe... En fait c'est bien, mais avec le primer alors, tu vois. Ouais, bonne idée, je vais mettre ça dans le tiroir des primers. Alors ici j'ai un highlighter stick de chez Catrice qui est tellement beau en fait, je le garde. Ça j'adore, mais ils le font plus de chez Primark. Alors ça c'est une amie qui m'a donné. Et c'est le Yves Saint Laurent crème blush. Et j'adore en fait, la couleur est trop belle. C'est hyper, super beau sur la peau. C'est très délicat, j'aime beaucoup. Mon premier produit Wet n Wild. Je le garde, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça j'avais acheté à Londres, c'est Daniel Sandler. Bon, après j'ai un Lancôme ici. Je vais jeter ça parce que déjà de 1 c'est pas ma couleur. Et de 2 il est cassé, donc voilà. Ça c'est mon highlighter, c'est le Soft and Gentle. Mais il s'est pété, donc du coup je l'ai mis là-dedans. Donc je garde l'emballage pour quand je fais une vidéo. Un bronzer Dior, l'highlighter Becca, je vais jamais le jeter. Ça c'est fini, donc je jette. Alors ce petit blush de chez Primark n'a aucune pigmentation sur ma peau, donc clairement au revoir. Blush de chez Kiko, blush de chez NYX. Ça j'aime beaucoup en fait, c'est un espèce de stick, c'est pas de l'highlighter, c'est vraiment pour faire un effet mouillé sur votre peau. Je sais pas si vous voyez, ça fait vraiment mouillé, j'aime beaucoup. Ça c'est un bronzer de chez Elio Soin, Marie Galin. Donc voilà, c'est un peu en crème. Ici on arrive au tiroir de tout ce qui est mes palettes pour le visage. Donc j'ai décidé que j'allais vous faire la deuxième partie pour tout ce qui est pour les yeux dans une autre vidéo parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Mais bon, ici j'ai ma palette que j'adore. C'est la collection Jaclyn Hill de chez Becca. J'adore cette palette. Et les blushs sont magnifiques, c'est hyper pigmenté. C'est magnifique. J'ai pas les mots en fait, c'est une palette que j'adore. Ici j'ai la contour. Contour Cream Kit et la même mais en poudre, donc ça c'est mes bases, c'est toute ma vie. Highlighter de chez Anastasia Beverly Hills, c'est le Glow Kit, ça c'est mon préféré, je le porte tous les jours. Et quand je maquille des peaux un peu plus foncées, bah, j'utilise celui-là, donc parfait. Si vous avez un petit budget, je vous conseille vraiment cette palette de chez Primark, elle est magnifique, super pigmentée, un peu poudreuse mais ressemblante à celle de chez Anastasia Beverly Hills. Alors ça c'est le Sculpt and Glow de chez Models Own, j'aime beaucoup le blush et donc je la garde simplement. Ça c'est la Chica Town de chez Benefit, c'est une de mes premières palettes que je kiffe beaucoup. Alors j'adore Révolution, par contre il faut changer vos écritures hein, parce que ça s'efface tellement vite. Ça c'est la Golden Sugar, c'est une des plus belles palettes que j'ai en termes d'highlight. Je veux dire ils sont hyper blinding, ils sont pas du tout discrets et c'est tout ce qu'on aime, je vais vous montrer. Si vous voyez, mais magnifique. J'ai une palette de chez The Balm, donc il y a dedans
Marilou. Ensuite, j'ai ma pochette de pinceau ici qui ne sert strictement à rien. Et puis, j'ai une palette de chez Sleek. C'est la Precious Metals. Et j'aime beaucoup cette palette. J'ai une palette de chez Primark. Et puis, j'ai une autre palette de chez Revolution. C'est la Ultra Contour. Et c'est une palette de contouring. J'avais oublié que je l'avais celle-là. Elle est très bien. Franchement, là-dedans, je pense que je vais juste donner ça parce que c'est une palette qui est quand même belle. L'highlighter est très joli dedans et le contour aussi. Ils sont vraiment bien, mais je ne l'utilise pas, donc voilà. Après, je sais pas si je vais garder ces deux palettes-là, en fait. J'hésite. Attendez. Non, ça, je vais donner avec. L'highlighter est vraiment trop naturel et j'aime pas trop, donc voilà. Et ça, c'est la même, mais en crème. Et j'ai pas du tout aimé cette palette, donc pareil, je la donne. Donc ici, en fait, vous arrivez dans un tiroir, c'est pas vraiment du make-up. Je suis une fille qui garde beaucoup des choses qui sont sentimentales. Donc j'ai gardé mes emballages des rouges à lèvres Kylie. J'ai gardé l'emballage du NARS, bon, c'est pas vraiment sentimental, mais c'est juste que c'est des produits que j'aime beaucoup, donc je garde les emballages. Le BK, les highlighters, et puis la palette de Jaclyn Hill, ma Cellucop. Et je garde aussi une bouteille d'eau que j'ai pris à New York, tout simplement parce que c'est toute ma vie et que ça m'a coûté tellement cher que j'ai gardé la bouteille. Ensuite, t'as toutes mes huiles que j'utilise pour mon visage, mes cheveux, mon corps, etc. Donc t'as de l'huile de pamplemousse, donc les huiles essentielles de pamplemousse, des huiles essentielles de tea tree oil, des huiles essentielles de ricin. C'est quoi ici? De primrose, de jojoba. Je garde toutes mes huiles là parce que j'ai pas d'autre place tout simplement. C'est vraiment tous les produits que je dois tester, que j'ai pas encore testé, que je vais parler sur ma chaîne. Donc c'est des masques. Mon bubble mask j'ai déjà utilisé en fait, je sais pas pourquoi c'est là. Donc ça je dois mettre. J'ai une petite version des masques Glamoulot, donc je me suis dit pourquoi des broches, un truc. C'est beaucoup de masques en fait. Des pinceaux, des toners, etc. Enfin, un peu de tout que je veux tester et que je mets ici, tout simplement. Dernier tiroir, vernis. Donc pas mes soins, juste mes vernis. Enfin, s'il y a des soins qui sont mélangés, en fait, pour ça, je vais me mettre. Ça non plus, ça non plus. Je vais donner tout ça parce qu'ils sont encore pour ça, donc voilà. J'espère que vous avez kiffé. Si vous voulez que je fasse autre armoire, dites-le comme ça, je sais si je dois faire la vidéo ou pas. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Que ce soit Zakon.